gang! On est jeudi! On est jeudi! Hey, on est jeudi! Tu veux croire? C'est vrai, c'est mercredi! Hein? Donc, c'est déjà la deuxième journée du groupe B. Moi, je m'appelle Sébastien, je suis un des deux trésoriers. Puis moi, c'est Justin, Benny, c'est moi qui est président cette année. Puis le menu va être là. Ou peut-être là. Ou peut-être là. Je suis sûr qu'il va être juste comme là. Ça, on le sait pas, hein. Surprise. Mystère. Puis, il y a d'autres messages pour vous. Qui vont suivre. Comme là. Là, ils sont pas là, là. Ils sont comme. Bonjour tout le monde. Donc, moi, je vous parle des représentants de niveau. Donc, vous savez que le conseil étudiant, l'exécutif, ont besoin d'aide. C'est sûr qu'ils vont avoir besoin de beaucoup d'aide au courant de l'année pour les différentes activités et les cantines. Donc, on aimerait que les personnes intéressées à devenir représentants de niveau, donc on a besoin de 2 représentants de niveau minimum pour chaque niveau, donc 2 9e année, 2 10e année, 2 11e année, 2 12e année. Donc ça fera 8 autres personnes pour nous donner un coup de main. Donc, on a besoin que ces personnes-là qui pourraient être intéressées à faire partie du Grand Conseil étudiant à envoyer un courriel à conseilplm@gmail.com et vous nous signifierez votre intérêt de cette façon et après ça, on vous contactera pour déterminer la date et l'heure de votre entrevue. Alors oui, ça va fonctionner par entrevue pour déterminer qui seront nos heureux élus. Alors, c'est tout ce que j'ai à dire. Merci. Bonne journée. Salut pour les gagnants du Rallye des Plumes. Le groupe A, c'est l'équipe numéro 7 qui est accompagnée de moi. Pour le groupe B, l'équipe numéro 4 qui est accompagnée de Sébastien. Vos noms vont être affichés juste après. Vous pourrez venir chercher vos prix au conseil étudiant lors de votre prochaine journée à l'école. Là, je suis en train de relever le défi Sketch Atlantique lors du prochain Festival des arts visuels en Atlantique qui va se tenir du 23 au 26 septembre prochain. Alors, j'invite tout le monde à sketcher finalement. C'est vraiment amusant, puis on a le paysage pour. Alors, bonjour les élèves. L'année scolaire est bien débutée. Je fais un message ce matin aux élèves de 12e année. Donc, je vous invite à venir prendre un rendez-vous en vous rendant sur le site du service d'orientation. Donc, c'est simple, vous cliquez sur le bouton « Rendez-vous », puis vous choisissez la date et l'heure qui vous convient pour me rencontrer. Maintenant, c'est obligatoire pour tous les 12e années, mais on a préparé des petites précisions. Donc, la rencontre peut se faire la journée que vous êtes à l'école, donc que ce soit groupe A ou groupe B. Ça peut se faire aussi une journée que vous êtes à la maison. On n'est pas obligé de se parler sur vidéo. J'ai marqué Team, mais ça peut être un appel téléphonique. Moi, c'est tout simplement pour mettre votre dossier à jour. Puis cette année, en ayant vos informations, vous allez recevoir des messages qui sont particuliers pour vous autres
soit dans votre boîte courriel ou dans votre groupe team. Donc, c'est important de faire un contact, au moins un contact avec moi, selon votre goût, votre choix. Si c'est une journée où est-ce que vous êtes à la maison, que vous dites, ben moi, j'aimerais de me rendre au bureau de la conseillère, c'est possible. Et puis, vous avez juste à vous présenter à l'école comme un visiteur. Votre nom sera au secrétariat, donc vous pourrez rentrer. Il faut avoir votre propre moyen de transport. Par contre, si c'est la journée que vous n'êtes pas censé être à l'école, mais on est capable d'organiser ça. Donc, c'est à vous. J'ai réservé tout le mois de septembre et octobre. Donc, allez-y. Les heures sont déjà en train de s'éliminer rapidement parce qu'il y a des élèves qui prennent des rendez-vous. Alors, je vous invite à le faire, puis au plaisir de vous voir. Merci. Yo! Demain, c'est vendredi. C'est ça. Ah, c'est nice, vendredi.